Kanata, c'est une création théâtrale que je trouvais très intrigante. J'étais curieuse de voir comment Robert Lepage et le Théâtre du Soleil allaient aborder un sujet aussi sensible. Certains des comédiens ont connu la guerre, l'exil, la dictature, et je voulais voir quelle résonance aurait l'histoire des Autochtones dans le parcours des comédiens. C'est ma grand-mère, c'est sa maman. La maman de ma mère, elle était la première pleureuse de Karbala. Donc forcément, ma mère, elle devenait aussi pleureuse. Et puis ainsi que 9 sœurs, même maintenant, j'ai 9 sœurs pleureuses. Et on était tellement pauvres, et maintenant avec les guerres, on a, l'Irak habitait dans les guerres, 5-6 guerres, je ne sais pas combien, 5 guerres de Golfe, et Bush arrive à déloger Saddam, et ça continue le drame, et les morts, et ça continue. Donc les pleureuses, c'est partout, quoi.